fois par semaine. Oui, c'est bien sur la chaîne de Bike Life DRZ. Enchanté, bientôt je vais me renommer DRZ. Donc les personnes qui pensent que Bike Life DRZ, parce que je tiens à faire, ça fait 3 ans. Allez, on va dire ça fait 2 ans que je fais des vidéos. Tout le monde m'appelle Bike Life DRZ. C'est DRZ, non. DRZ tout simplement. J'en veux pas aux personnes qui m'appellent Bike Life DRZ. Moi c'est DRZ. Tu veux m'appeler, c'est DRZ. Dans quelques temps, je vais renommer ma chaîne en DRZ. Donc le prochain qui veut prendre, usurper mon identité avec le nom Bike Life DRZ, je l'invite à le faire. Ça va être incroyable. Aujourd'hui, on a deux vélos. Deux vélos qui me tiennent particulièrement à cœur. On a un Rock Rider. Et on a un Rock Rider. Pierre, Bigard R8. On ne le présente plus. C'est presque la mascotte de la chaîne. C'est 500, 2019, encore neuf. Non, je rigole. Voilà. Bref, je me permets de faire des choses incroyables aujourd'hui parce que déjà de une, c'est pas moi qui vais faire le montage. Déjà de allez dans les commentaires, on a vu énormément de personnes qui nous demandent, il y a quoi sur ton vélo? Qu'est-ce que tu voilà, il y a quoi sur ton vélo? Comment tu utilises ton vélo? Comment tu prépares ton vélo? Et aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas vous montrer les vélos qu'on utilise le plus. Ces deux vélos, donc pour moi, que j'ai utilisé le plus et comment je les ai équipés afin de vous aider à préparer votre vélo pour les vélos. Petite parenthèse, je suis personne dans ce foutu game, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien me classer dans ce foutu game, je suis personne dans le délire là, donc si vous suivez d'autres conseils en France et vous pensez que c'est meilleur, je vous invite à aller dans la chaîne de la personne qui propose ce contenu, parce que moi je gère pas à faire la guerre aux gens, donc dans l'espace commentaire, je veux beaucoup de vivacité et beaucoup de bonheur, donc laissez-moi tranquille, si vous. Bref, alors on va commencer par mon vélo, le XC500, comment il est équipé, donc c'est très simple. Pour moi, pour ma part, on va commencer par la chose qu'on me demande le plus. Toutes les vidéos me demandent ça sur Instagram, partout, les pneus. Je vais vous mettre la référence et c'est l'unique fois que je vais vous répondre parce que j'en ai marre de répondre à toutes les personnes. Oui, mes pneus, c'est ça. Voilà. Les pneus, ça s'affiche là, la référence, c'est des Maxxis, hein, comme tout le monde a l'habitude de voir. Et la référence s'affiche à l'écran, merci mon. Ensuite, deuxième chose. Donc voilà, les pneus, ça c'est clair, j'ai mis des pneus slick. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? C'est bien. J'avais des très bons souvenirs aussi avec les Hutchinson qui sont ici parce que j'ai eu des taureaux. Et j'ai eu j'ai eu encore des taureaux sur mon 520 le premier et j'ai énormément kiffé parce que ça n'a rien à voir avec les wheelings et c'était tout simplement cool d'avoir des pneus VTT parce qu'en fait ça fait déjà un bon prix. J'ai un peu kiffé aussi parce que je sais pas, c'était mes premiers souvenirs et tout avec les wheelings en Rider 520 et j'avais kiffé. Du coup voilà. Ensuite, l'équipement. Second pour moi qui est l'un des plus importants, voire le plus important, le frein. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps. J'avais des Level T, donc du coup là je les ai remplacés par des Dehors XT. Donc ça c'est vraiment pas mal. Avec plaquette à ventilation là. Donc ça c'est, sans te mentir, les termes et tout, je ne connais pas trop. Je ne me connais pas. Les gens qui, moi je ne suis pas un menteur, je ne me connais pas du tout. Chez les bras, chez à peu près entretenir un vélo. Bon, voilà. L'équipement aussi qui est vraiment important, ce qui est vraiment très très important, c'est la selle. Parce que vous allez être beaucoup sur la selle, c'est ce qui va vous aider à faire des wheelings, c'est ce qui va vous aider dans pas mal de choses. Donc une bonne selle, c'est important. Moi pour ma part, c'est une Mafa Bike, j'ai jamais eu de problème avec. Ça fait le taf. Après voilà, j'ai connu mieux, sans vous mentir. J'ai connu mieux, mais ça fait le taf. Voilà, vous le retrouvez dans les environs de 25 euros sur internet. Donc toutes les personnes qui veulent aller l'acheter, ça coûte environ 25 euros. Après le reste, pour le vélo là, je l'ai choisi déjà pour que ça soit adapté au wheeling. Pour ma part, j'ai quelques critères, je vais vous les donner. Il y a énormément de personnes qui vont pas être d'accord, mais j'en ai strictement rien à faire parce que tu vois, c'est mon avis, ça reste purement mon avis. Et si ça te plaît pas, bah désolé. Et puis voilà. Donc pour moi, un bon vélo pour les wheelings, c'est un cadre qui descend bien. Donc c'est-à-dire là, tu as une vidéo du vélo qui te la montre là, c'est que ça descend quand même bien, tu vois. C'est-à-dire, genre le cadre, il est assez bas pour pas forcément les tricks, mais tu vois, forcément la tenue de route, comment toi tu vas faire pour tes wheelings, aussi pour être à l'aise. Moi, je suis quelqu'un, je peux pas rouler sur un vélo si je suis pas à l'aise. Je me sens hyper, tu vois, même, genre par exemple, avant, je me rappelle quand j'avais mon spécialisé, j'aimais trop faire des tricks, j'aimais trop avoir, ce vélo, j'aimais trop rouler avec ce vélo. Mais le seul et unique problème que j'avais avec ça, c'est que j'étais pas à l'aise et que même moi, mon attitude qu'il y avait dessus, elle était vraiment incohérente, tu vois. Donc j'ai pas aimé rouler avec ce vélo. J'ai aimé rouler avec ce vélo, mais j'ai pas aimé l'attitude que j'avais sur ce vélo et ce que je dégageais en vidéo, tu vois. Malgré que c'était une période très importante de ma vie sur YouTube. Ensuite, le deuxième critère sur les vélos aussi, c'est un vélo assez léger. Moi, je te mens pas que j'ai un peu le seum parce que ce Rock Rider là, il fait 11 kg, tu vois. Et moi, j'aime bien un peu les vélos. J'aime pas trop les vélos lourds. Tu vois, mais entre les deux, je dirais 13, 12, 5, je préfère parce que c'est un peu plus lourd
Et aussi, la grosse erreur que j'ai fait, c'est que je suis passé d'un VTT et à un OM Duro, enfin d'un Big Flyer à un OM Duro, et c'était des pneus assez lisses, assez fins plutôt. Et du coup, quand j'ai eu l'OM Duro, c'était des pneus en 3-0, donc je te mens pas que repasser sur un VTT c'était un peu compliqué. C'était un challenge, je savais que ça allait être compliqué, enfin que ça allait être entre guillemets un peu plus dur et tout, et puis ça allait, tu vois, t'allais avoir plus de budget. Du coup, c'est pour ça que je suis passé sur un VTT et je reviendrai plus jamais sur un C-Bike. C'est vraiment. Et je le répète, clairement, j'aurai plus de ces bikes. Donc arrêtez de marceler, j'aurai pas de ces 100, j'aurai pas de ces bikes. C'est pas des vélos pour moi, donc j'estime que c'est pas des vélos pour moi. Je dis pas que c'est des mauvais vélos, je suis en guerre avec ça, mais c'est pas des vélos pour moi. Donc voilà, on va passer sur l'autre vélo parce que celui-là il est très important pour moi. Donc ce vélo, on a eu ce vélo par hasard. Tu vois, c'est-à-dire qu'on cherchait un vélo et on l'a eu par hasard, c'est-à-dire qu'il nous est tombé sur le nez. On l'a acheté et tout. Hein. Enfin voilà, on l'a eu sous le nez, et quand on l'a eu sous le nez, on n'était pas, on devait pas acheter ça, tu vois. Mais au final, on avait une belle offre et tout, et du coup, on a acheté ce vélo. Et ce vélo, il a une grande particularité, c'est que déjà, c'est absolument pas fait pour faire des wheelings, comme l'autre, hein. Mais c'est absolument pas fait pour faire des wheelings. Mais c'est là où est devenu un peu le kiff de Rock Rider, vraiment. C'est là où vraiment j'ai commencé à kiffer. Avant pour moi, c'était une marque comme vous, je me disais, ah, Rock Rider. Maintenant, j'ai vraiment commencé à kiffer avec ce vélo. Juste le seul truc qui me saoule sur ce vélo, c'est qu'il n'y a pas de monoplateau. Je me suis toujours dit que j'allais le changer. Derrière, pardon, il pue un peu, je trouve. Et après, le frein aussi, mais on va le changer. Mais ce vélo, il est important. Pourquoi? Parce qu'il est léger, il est assez souple, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Et l'attitude sur ce vélo est. Criminelle. Tu sais que c'était un peu long, les frérots, donc. Si je vous ai saoulé, désolé, parce que je suis pas là pour vous saouler, je suis là pour vous donner des conseils. Et ceux qui ont regardé jusqu'au bout, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé, si les conseils ont été bons. On va pas se laisser sur ça, on va faire un petit tour encore et tout, parce que tu vois, c'est important de montrer, tu vas pas faire que parler, et vraiment dynamiser la vidéo avec des wheelings. Après, j'ai peut-être oublié plein de choses, mais dans la globalité, il y a pas énormément de choses à savoir. On les répète, hein, Félix, on va les dire, on les redit. On est d'accord que quand quelqu'un il achète un vélo, c'est pour les wheelings, il regarde tout. Ouais. C'est trop, tu vois, il regarde est-ce que le dérailleur il est bon, est-ce que c'est vrai, il faut regarder, oui, pas mal de choses. Mais en tout cas, pour ma part, regardez le système de freinage, le cadre, très important, le cadre, c'est super important, c'est la chose à faire en premier, le cadre. Et après, voilà, les suspensions aussi, voilà, les suspensions, je te demande pas de suspension, tant les wheelings. On est là pour faire des wheelings, on n'est pas là pour faire des compétitions avec ces wheelings. De fin de vidéo, on se dit à très bientôt, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Ici, gros concours. Donc voilà, suis-moi sur mon Instagram, c'est de la frappe, tout ça, nanani. C'est DRZ, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace! Voilà famille, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner là juste en bas et activer la cloche de notification. Et vraiment très très important, je vais donner la réponse du gagnant de la sacoche de l'avant-dernière vidéo sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, vous avez juste à aller en bas dans la description, il va être affiché tout simplement, donc voilà. En tout cas la famille, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.